Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Avant de vous présenter cette vidéo, je dis merci infiniment même à monsieur Philippe Simon et son papa. Regardez attentivement cette vidéo et comprenez le message. Un élément très important, qu'est-ce que tu as appris au niveau de la constitution d'une famille, le choix du conjoint? C'est un choix très important. Très, très important. D'ailleurs, il y a un de mes mentors qui me disait un jour, après la santé, ce que tu dois demander au bon Dieu, c'est le compagnon. Il me disait, quand on a fait un mauvais mariage, c'est comme si on avait une épine au pied et on doit courir toute la vie. La plupart de ceux qui ont fraté leur mariage ne font pas de vieux os. Le partenaire doit être pour vous le refuge. Parce que quand vous avez des moments difficiles, il doit être le partenaire doit être la main qui vous dit on est ensemble. Si vous avez une partenaire ou un partenaire qui est à la moindre difficulté, vous lancez des colibets, vous faites un accident de circulation sans savoir que vous êtes dans une voiture. Vous faites un accident de circulation sans savoir que vous êtes dans une voiture. Vous avez peur de rentrer chez vous. Le domicile doit être le lieu de repos. Ou quand vous arrivez, même quand vous avez été battu, qu'on vous accueille et qu'on vous encourage. Alors le partenaire est très important. Comment le trouver? Très souvent, il faut... Moi, j'ai toujours pensé que nos parents qui étaient un peu moins instruits étaient sages. On devrait toujours faire des enquêtes. Tout ce qui brille n'est pas or, surtout dans ce domaine-là. Il y a trop d'artifices dehors pour charmer les autres. Surtout quand on a l'avantage qu'on a un peu un physique et une position sociale, ce n'est pas les courtisanes qui manquent. Une partenaire avec qui on fait un fond d'un foyer ne devait pas se limiter à l'aspect physique, c'est sur l'aspect moral. Est-ce que cette personne, dans les moments difficiles, sera avec vous? La plupart des couples s'effondrent lorsque la difficulté arrive, comme dans tout couple, hein, ça arrive. Et c'est à ce moment-là que le compagnon doit être avec vous. La plupart des gens qui meurent sont assommés par le fait que leur compagnon, au moment où ils ont le plus besoin, les abandonne moralement. Si vous n'avez plus de salaire, tu es un homme, on parle, tu es un homme, ça vous fait mal. Surtout que vous savez que vous n'êtes... Ça arrive dans toute vie. Hein. Et la partenaire doit être là. Même vous encouragez, admettez-moi que vous rétrogradiez de standing de vie. Il y en a qui disent, moi je ne peux pas. Je ne peux pas vivre dans ce quartier. Non, il faut accepter. Et c'est là où on connaît sa femme que si on a passé des moments de haut et de bas, et vous étiez ensemble. C'est pour ça qu'on dit le compagnon, dans les hauts et les bas. Malheureusement, quand c'est dans les bas, il y a séparation. La compagne, ce n'est pas seulement dans les moments de joie. Dans les moments de joie, vous trouvez toutes les femmes, vous courez après, ou tous les hommes vous aimez. Hein. Mais essayez un peu d'avoir des difficultés, vous verrez combien de femmes... Comme si elle serait encore là à vous assister. Ouais. Moi, je connais beaucoup de ménages qui sont éclatés dès que la traversée du désert a commencé. Et c'était regrettable parce qu'on n'avait peut-être pas bien fait le choix de son partenaire au moment où on devait le faire. Et aussi la chance, peut-être. Quand tu dis qu'il faut faire des enquêtes, ça consisterait en quoi? Ne vous fiez pas de ce que vos yeux vous font voir dès que vous rencontrez une personne. Faites des enquêtes sur elle, sur sa famille, sur ses parents. Les filles sont généralement c'est leur maman. Tu m'avais dit... À l'époque, quand je voulais me marier, qu'il fallait beaucoup observer, je ne sais pas si tu te rappelles d'ailleurs de ça, oui. Le rapport que la fille avait à son père. Oui. Pourquoi? Parce que, généralement, les filles admirent leur père et le mari devient son deuxième père, son prochain père. Les filles sont trop indépendantes, là. Si leur père a les moyens et que le mari n'a plus les moyens plus tard, c'est pas tout. Une fille, même si, quand elle admire son père, il faut que même si son père n'a pas, si son père a des moments difficiles, qu'elle soit avec son père, qu'elle admire son père. Même demain, si son mari a des difficultés, elle pourra le faire. Pas admirer le père. Si le père est riche, c'est bien, on va t'admirer. Mais il faudrait que tu saches que dans cette famille-là, quand le père n'avait pas, comment ils se sont comportés. Il y a beaucoup de familles où on abandonne les pères, hein, où les pères sont. On les met à l'écart. Il n'est plus intéressant. Même dans les patrons, on dit que c'est un alcoolique, il ne vaut rien. On préfère peut-être le fils aîné qui travaille. Mais non. Parce que ça, c'est très courant dans nos familles, hein, en Afrique. Les gens ne recherchent que le printemps. Et le fils qui a l'argent, c'est le fils qu'on aime le plus. Et s'il a des difficultés, on va chez l'autre. C'est la recherche du matériel et c'est dommage. Et les garçons, qu'est-ce qu'une fille doit regarder chez un garçon dans son rapport à sa mère et à sa famille? D'abord, si vous pouvez avoir des enquêtes sur leur famille, comment ils ont vécu dans leur famille, comment les parents ont vécu d'abord dans leur vie. Pourquoi c'est important? C'est très important parce qu'ils ont eu des difficultés. Et l'enfant, étant jeune, voit comment la famille vit dans une maison. Comment la maman a... s'est comporté avec son mari quand il n'y a pas de moyens. Comment le mari se comportait avec maman quand il n'y a pas de moyens? Est-ce que papa était le type qui était responsable? Est-ce que maman et papa, dans les moments difficiles, se sont serrés les coudes? L'enfant se rend dans son subconscient. Et grandit, il comprend qu'il fut une époque où c'était dur à la maison. Papa et maman causaient toujours. Et plus tard, quand cela arrivera, ça va lui remonter dans la mémoire. Il pourra comprendre que ça n'est pas arrivé. Donc tu penses que quelqu'un qui est issu d'un foyer dans lequel il y avait la bagarre, la violence, la séparation, a des séquelles de ça? Oui, oui. Surtout si...
ça a laissé des traumatismes très forts. Les parents qui ont abandonné les femmes, ou les maris voyous, les femmes qui changent. L'enfant n'est pas équilibré et ça le gêne. Il aimerait peut-être trouver un mari qui va le garder, qui va la protéger, et une femme qui va être sa maman. Or, si déjà l'enfance, vous avez vécu dans un foyer où, même les moments difficiles, il y avait quand même encore le couple qui était uni, ça va vous encourager plus tard quand vous aurez des difficultés à rester unis aussi. Sinon, si la maman, à la moindre occasion, change de chasser le papa, aller ailleurs, bon, la fille croit que c'est le modèle à suivre. Elle ne comprendra pas qu'on puisse, à la suite d'une compression, vous mettre à la porte. Elle dira, mais non, je ne peux pas vivre avec toi, ma mère n'a pas fait ça. Par contre, si la maman, dans les moments difficiles, fait même le petit commerce pour mettre la mamie au feu, les enfants comprendront que papa n'a plus les moyens, il se débrouille. Et qu'on a le standing, on sent l'enfant voit tout ça. Et quand ça revient encore, ils sont... Parce qu'après les parents, ils en parlent. À une époque, on a traversé le désert, on a cassé notre quartier, on a replié, on a recommencé à zéro. Les parents en parlent, les enfants enregistrent. Et plus tard, ça reste comme le disque dur de la vie. Tu valides la session qui dit que la meilleure éducation qu'on puisse donner à un enfant, c'est d'être un couple heureux. Oui, il n'y a pas de famille sans problème. Mais autant que possible, d'abord ne pas taper sur la femme. Non, moi, je suis, mon père n'a jamais tapé sur ma mère. Moi, je n'ai jamais tapé sur ma femme. Moi non plus. Je ne sais pas. Les deux, parfois, peut-être qu'ils avaient des... C'est bizarre. D'où vient cette volonté de violence chez les hommes? C'est un traumatisme. C'est peut-être parce qu'ils ont suffi taper. Ils ont peut-être vu taper. Ouais. Moi, j'ai mon voisin qui tape sa femme, mais nous avons des moments où on ne s'entend pas. Parce qu'il tape sa femme. Il tape. Il a même dit une fois que quand il tape sa femme, moi, je pleure. Je lui ai dit que ça traumatise les enfants. Hein. Ouais, les enfants, ils pleurent. Ouais. Bon, ça reste dans. Bon, même si vous avez. Tu n'appelles pas la police, mais tu me diras la culture. Non, la police n'est pas. La tradition, oui. Enfin, bon. Ça ne se fait pas comme ça. Ouais. L'une des choses que j'ai apprises à beaucoup de mes amis dans mon quartier où j'ai grandi, c'est de ne plus taper sur la femme. Et j'ai réussi. Ah oui? J'étais leur président. Je ne devais plus le faire. Si vous le faites, je ne serai pas content de vous. Et beaucoup l'ont fait. Elles m'ont avoué qu'on ne tape plus. Parce que quand c'est dur, il vaut mieux parfois aller rester comme ça dans un coin. Parce que la force physique, et aussi les femmes, il faut savoir les bouches, comme on dit. Les longues bouches. Oui, les longues bouches, c'est ça aussi. Parce que quand c'est dur, il faut éviter de mettre le feu dans l'essence. Parce que quand l'homme a déjà un moral bas, il lance pas aussi les mots méchants. Il peut t'emporter. Et aussi, il faut passer insulter sa femme. Mon ami dont je parle, bon, il se reconnaîtra peut-être. Il appelle sa femme sorcière. Il est très. Je lui ai dit, mon ami, analphabète. Mais quand tu l'avais poussé, quels sont les critères que tu avais retenus? Tu savais bien qu'il était illettré. Bon, c'est son physique qui t'avait peut-être attiré. Bon, maintenant que tu as déjà eu la saturation du plaisir, maintenant tu découvres qu'elle est illettrée. Bon, contente-toi, c'était ton choix. Tu pourrais pas aller. Bon, maintenant ça va quand même. Ça va. Ça va. Tu vois, ça c'est l'influence aussi, le fait qu'il ait un voisin comme toi, oui, qui lui parle. Oui, je vous dis ça, oui, surtout que j'ai... Bon. Question, es-tu prête à prendre une femme qui va te supporter seulement dans les moments de bonheur, de joie, quand il y a l'argent, quand le pire arrive, elle t'abandonne? Es-tu prêt à prendre un homme qui sera avec toi seulement quand tu seras belle, quand tu vas faner, il va t'abandonner pour une autre? Je m'interroge. Je vous invite à la découverte de la nouvelle bière centrafricaine Africa Taylor. Africa Taylor est la bière la plus consommée actuellement en République centrafricaine. Je vous invite également à aller directement sur Facebook, sur leur page Africa Taylor. Il y a des jeux concours chaque semaine. Vous pouvez gagner des lots. Abonnez-vous sur leur page, les gars. Je vous dis, la bière là, ça fait la fierté des centrafricains. Abonnez-vous sur leur page pour ne rien rater. Quand tu consommes cette bière, tu oublies tous tes problèmes. Africa Taylor, la fierté de la République centrafricaine. Merci encore à ce papa, le papa de M. Philippe Simon. Je vous ai dit que M. Philippe Simon, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que je suis. Quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai dit, je ne peux pas garder cette vidéo pour moi, je vais partager ça avec mes projecteurs. Vous connaissez la phrase qui m'a marqué dans cette vidéo? C'est la meilleure, ou la patrouille dit, la meilleure éducation qu'on peut donner à nos enfants, c'est de les présenter un mariage heureux. La meilleure éducation. Parce que les cerveaux de nos enfants, que vous voyez là, c'est les disques durs. Donc, c'est les disques durs, c'est la sauvegarde. Faites très attention. Aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes, à peine ils se mettent ensemble, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 1 an, ils se séparent. Les problèmes, parce que la base n'était pas fondée. Alors, là, on parle des deux sens. Quand j'écoute ce papa qui a plus de 70 ans déjà, je me rappelle encore de tout ce que mon feu père me racontait. Et je comprends que mon père, mon feu père, m'avait tout donné. Quand tu as épousé une mauvaise femme,
même si tu es milliardaire, mon ami, c'est très dangereux. Tu peux devenir zéro. Donc ta réussite dépend de ton épouse. Si tu as raté ton mariage, mon ami, c'est l'enfer. Faisons très attention. Et ce papa attire notre attention en nous faisant comprendre une chose. Ça ne concerne pas seulement l'homme ni la femme. Avant de faire un choix, l'amitié, ce n'est pas le mariage. On parle là du mariage, d'un engagement à vie. Donc, avant de t'engager que je vais me mettre avec tel homme, renseigne-toi sur cet homme. Comment étaient ses parents ou bien comment sont ses parents? Est-ce qu'ils vivent ensemble? Ou bien, s'ils sont séparés, qu'est-ce qui les a séparés? Qu'est-ce, la famille là est comment? Ne t'engage pas seulement avec un gars, tout simplement parce que tu le vois beau, il s'habille bien, il a un peu de moyens, il a un bon boulot. Non! Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Sinon, tu vas te retrouver au carrefour de si je savais demain. Et pareil chez la femme. Et nous sommes nombreux ici, là, quand on se retrouve ici en ville, on est là, ouf, parce que tu es un peu les bons seins, les Jessica, les, comment on appelle ça, les bien formés. Non, on ne pense pas au pire. On ne veut même pas savoir d'où cette femme sort, comment est sa famille. Non, non, ce n'est pas important. C'est le physique, c'est ce que nos yeux regardent là. C'est ça qui est important. Et après, maintenant qu'elle va faner, comme le papa l'a dit que aujourd'hui un monsieur traitait sa femme de illettré, bête, machin, truc, tout ça. Tout simplement parce qu'avec le temps, elle a fané. Et c'est où le monsieur commence à voir ses défauts. Mais à la base, ce n'était que la beauté physique qu'il voyait. Quand la beauté physique s'en va, qu'est-ce qui reste maintenant? Ce n'est que le divorce. Donc, faisons très attention. J'espère que le message est bien passé et que ce n'est pas entré dans les oreilles des sous. Quand vous voyez des couples aujourd'hui qu'on dit violence conjugale, ça vient, ça peut être, comme vous avez compris dans la vidéo, que l'enfant a été traumatisé. C'est-à-dire que l'enfant a grandi avec ses parents, peut-être son père qui tapait sur sa mère ou bien le contraire. L'enfant a grandi comme ça. Hein? Si tu es habitué à insulter ta femme ou bien à dire n'importe quoi ta femme devant tes enfants, c'est-à-dire déjà, petit truc, tu dis vraiment, ça ne vaut pas la peine, tu chiffonnes ta femme. L'enfant est là pour copier seulement ça. Tu tapes sur ta femme en désordre, tu méprises ta... L'enfant va grandir demain et va copier les actes de son père. Il va aussi reproduire la même chose sur ça, sur son épouse. Faisons très attention. La meilleure éducation qu'on peut donner à nos enfants, c'est de les présenter toujours ce qui est meilleur dans notre couple. Si vous avez vos problèmes, retirez-vous. N'affichez pas ça devant les enfants parce que les enfants sont en train d'enregistrer. Allez même dans la chambre, enfermez-vous, faites vos choses là-bas dedans. Et quand vous ressortez devant les enfants, ça fait du sourire. Merci de partager la vidéo. C'était le général Franco. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.